Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. Bienvenue sur No Man's Sky, heureux de vous retrouver. On est en week-end et qui dit week-end dit mission. Ah non, il n'y a plus de mission hebdomadaire. Ok, très bien, bon. Ok, bon, on va y aller du coup. Ah, ils ont terminé une mission hebdomadaire. Bon, bah. Ok. Très bien. Allez, go. Et puis, nous reste quoi? On a celle-ci, une foisonnante. Une chaude. Une glacée, ouais. Ok, bon, on va faire la shot du coup. Allez, c'est parti. Allez, go. On va se mettre ici. Pas mal. À première vue. Ok. Canicule occasionnelle. Ok. Ouh, il y a 16 espèces. 3 volantes et 5 sous-marins. Allez, on est parti. Là, on va déjà faire ça. Allez, on y va. OK. Ensuite ici. Très bien. Bon. Du coup, on a combien? Trois sous-marins.
Ah bah c'est ce que je pensais. Le petit crabe. Yes. Allez, maintenant on va chercher après. C'est pas si qu'on va le trouver, le prédateur. On va essayer de chercher une pleine, la pleine mer. Alors, par contre, par là. On va les scanner tout de suite pour pas être pris de court tout à l'heure, vu qu'on va changer de coin. Ok. Très bien. Non, ça c'est bon, on a déjà fait. Allez, encore quelque chose. Ok, très bien. Encore 7, donc 2 volants. Et une sous-marin. Ça m'a l'air d'être bon par là. On va se poser là. Parce qu'on aura plus de chance ici. Ah, nickel. Ça on l'a pas fait. Boum. Ça je t'ai eu. Allez, go. Allez, cristaux. Allez, on y va. Ah dommage, l'eau est orange la journée. Ah dommage.
Allez. Cherchons ce foutu prédateur. De l'oxygène ici. Ok. Oh, une tempête de feu. Allez, on continue. Dommage. Allez. Voilà. Allez, prédateur, montre-toi. Ah, les petits cristaux, les gros cristaux là, c'est pas mal. Pas mal le fond là avec tous ces petits cristaux là. J'adore. Pas mal le rocher là. C'est cool. Allez, quand 2-3 minutes, si jamais on trouve pas, on va pas rester.
Allez! On va aller jusqu'au rocher là. Là, ça a l'air plus profond. On va essayer par là. Jusque là. Bon, là c'est un peu plus profond. On va aller voir là, jusque là. Ah, tant pis. Bon bah tant pis, hein. Ah non, c'est bon. Voilà, nickel. Allez, plus que 5.
de joli fond bien sympa. Allez, on va se mettre jusque là. Allez. Allez, c'est bon. Allez, on va continuer l'exploration ici. Ah, toujours les mêmes oiseaux. Ok, très bien. Ah, je pensais pas le trouver, hein, franchement. J'avais abandonné l'idée. Mais là, ça va. Ici. Alors après, c'est soit un gros oiseau, soit un papillon, ou soit une petite bestiole transparente là, qui ressemble à une méduse. Allez, on va ressortir notre ami. Allez, go. Alors par ici, d'accord, ça. Donc toujours les mêmes oiseaux. Derrière, non, il n'y a rien. Oh là là, j'adore quand il atterrit. Le seul truc qui peut pas exploser là, c'est les petits cristaux d'hydrogène. Il marche dessus, ça ne peste pas. Même pareil, les cristaux de carbone condensé, c'est pareil. Il a beau marcher dessus, il les explosera pas puisqu'il peut pas les casser avec son laser. Ah, j'adore, franchement. Voilà. Alors. Continue.
cristaux flottants là-bas de l'autre côté. Ah, ici peut-être. Peut-être ici. Ah non, raté. Allez, go. Ah. La nuit retombe. Là, c'est toujours du vert. Allez, go. Pas mal cette planète, hein, par contre. Même s'il y a des tempêtes, elle est pas mal. Elle est très agréable. Ah, il marche. Il marche bien, même s'il y a un pied en haut et puis le deuxième plus bas. Donc il n'y en a pas d'autres par ici. Tant pis, allez. On va se remettre un peu plus vers le centre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va changer de coin. J'appellerai l'exonef après. Ah, on va
se partir par là. Ah, là-bas, il y a de l'eau. Ok. Bon, on va se mettre là. Allez go. Ah non, j'aurais dû vérifier d'abord s'il y a quelque chose dans le coin d'intéressant. Non, ok. Allez, on va continuer donc du coup par là. Allez. C'est bien, c'est qu'il ralentit quand ça monte. Oh, comment il l'a tué? Alors... Non, toujours rien. Allez, monte. Allez. Pas mal ici. Alors. Toujours pas trouvé de planète extrême pour récupérer des cristaux tempêtes. Alors... Non. Il n'y a rien.
Ok. Toujours des cristaux tempête. Là, des cristaux flottants, pardon. Alors. Là, c'est toujours du vert. J'ai installé le câblage, c'est combien il en faut? 3 cristaux tempête. On va mettre ça là et là on va mettre, on va installer. Ah, il faut de l'acide. Ah ouais, de l'acide, il faut une plaque toxique. Une plaie toxique pour récupérer. Donc l'acide, c'est l'acide, il faut de la moisissure fongique. On fout 600, donc on n'est pas rendu, puis on n'est pas sur une plaie toxique et il n'y en a pas dans le système, donc c'est mort. Il faudra attendre de tomber sur un système avec des plaies toxiques. Par contre, les animaux, c'est pas top là. Ah non, c'est... Bon, on va attendre que le jour se lève. S'il n'en trouve rien, on partira chercher des curiosités dans l'espace. Allez, go, on y va. Allez, on y va. Allez, c'est bon. -92 degrés dehors, ça va pour une tempête. Une tempête chaude. Ah, le jour se lève, ça c'est cool. Alors par ici. Donc des oiseaux ici. Là. Tout seul. Ok, encore 3. Dont un volant.
Allez, go. Ah, la tempête s'est calmée. Et la planète est magnifique, franchement. C'est très très joli. Je sais pas si c'est la mise à jour qui fait ça, mais je le trouve plus net. Plus vives les couleurs. Là, les objets ne popent plus. Ça a l'air d'être intéressant. Peut-être que c'est une planète chaude. C'est qu'il n'y ait pas d'herbe. On ne sait pas. On verra plus quand ça sera sur la planète tempérée. Là-bas, il y a quelque chose. Ah, j'arrive pas à la scanner, la bestiole. Ah, ça y est. Non, mais... Ah, elle fait chier, l'autre devant, là. Voilà. Oh, franchement. Peut-être c'est... Comme je disais, c'est peut-être parce que c'est une planète qui a pas d'herbe, mais ça... Les décos ne popent plus en devant. On verra quand ça sera la planète tempérée. Merci. Allez, go. Donc il nous en reste deux. Je crois. Ouais, deux dont une volante. Ouais, peut-être celui-là. Non, non, zut. J'y ai cru, là. Bon, tant pis, hein. Allez, pour deux minutes. Encore deux minutes, puis si jamais... Tant pis. Ici. Toujours pareil. Bon bah tant pis. Dommage. Il nous aura manqué deux animaux.
Allez go, on va chercher quelques curiosités dans l'espace, en espérant. Ah, un œuf. Alors, dis-moi ce que t'as à me donner. Assemblage neuronal, ça c'est quoi? Je sais plus, c'est jamais. Bon, c'est le décollage, on s'en fout, on l'a déjà. Ah, un deuxième œuf. Ah, il est pas mal celui-là, noir et rouge. Allez. Suppresseur de cri, j'ai déjà eu aussi ça. C'est pareil, c'est le bouclier, ça m'intéresse pas. Allez. Oh, encore. Eh hey, oh, oh. Ah, ça c'est un hyper propulsion. On va faire évoluer. Ouh, 246. Trop cool. 246. Ça, on va l'enlever. J'ai un 246. Alors ça, c'est cool. 240, 235, 224. On va déplacer celui-là. Ici. Déplacer celui-là. Ici. Nickel. 246. C'est vraiment super. Pour terminer cette vidéo. On va se mettre là, juste à côté de la planète gelée pour lundi. Comme demain, il n'y aura pas de live, enfin pas de vidéo sur No Man's Sky, comme on dit dimanche. Voilà, on va rentrer ici. Planète gelée, et après on fera la... Il y aura ensuite la planète foisonnante, et on fera la dernière planète indienne, et ça sera bon pour ce système. Bon, on va cesser là dessus les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez vous si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche pour référencement de la chaîne et pour rater une de mes vidéos. Et moi je vous donne rendez vous cet après midi pour le live sur Monster Hunter World. On va bien s'éclater. Et donc, je vous donne rendez-vous lundi pour la suite sur No Man's Sky. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.